السلام عليكم، سعيد باللقاء معكم الجديد. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نتكلموا على واحد الظاهره اللي هي يعني غريبه وفي نفس الوقت صعبه يعني الفهم، اللي هي الإماري. دونك اليوم غادي نحاولوا نركزوا على المفاهيم ونفهموا شنو هما لي بارامتر اللي كياثروا في هاد الإماري، وفي نفس الوقت غادي نشوفوا واحد لانيماسيون اللي غادي تبين لنا شنو هما لي يعني دي فاكتور كي انفلو سور لي مار. وغادي نحاول نتكلم بالعربي والفرنسي نزولا عند رغبه مجموعه من الاصدقاء، وفي الاخير ان شاء الله غادي نشوفوا لي زافونتاج اي زانكونفينيون دو سو فينومين. Tout d'abord, on va définir les marées. Donc, les marées, c'est en fait le mouvement montant et descendant des eaux de mer et des océans. كما كتشوفوا في هذوك الصور، اذا نفس الصوره التحقناها في الصباح وفي المساء، وكتبين لنا لي ماري اللي تنجو سورتو ا كوز دي فورس دو ماري دي فورس دو غرافيتاسيون دو لا لون اي دو سولي. دكو ريغاردي سور لا فوتو، دونك اون فوا لا لون اون فوا لا تير، دونك اون فوا سو كون ابل لي بورلي دو دي اوسيون، اي سو سون ان فيت لي ماري. Donc il y a deux astres qui influent sur les marées. Il y a essentiellement la Lune et le Soleil. Il se trouve que le Soleil, malgré qu'il est gros et lourd, mais la distance, puisqu'il est loin, donc son effet est deux fois moins que celle de la Lune. Sur cette photo, vous voyez donc une explication, une théorie simplifiée des marées. Donc, les forces de gravitation exercées par la Lune, de part et d'autre, donc de la Terre, on voit que c'est F, grand F plus petit f, et de l'autre côté, c'est grand F moins petit f. Ce qui donne lieu, bien sûr, au bourrelet d'eau. Le phénomène s'explique essentiellement par l'attraction gravitationnelle. Donc, les océans sont attirés par la Lune, et bien sûr, il y aura des formations de l'eau, ce qu'on appelle les bourrelets. Donc, on voit sur la Terre deux régions, une région où la mer est haute et une autre région où la mer est basse. Si jamais un individu va parcourir la Terre pendant 24 heures, il va bien sûr rencontrer deux fois les marées hautes et deux fois les marées basses. Donc sur la photo, comme vous voyez, les deux régions qui sont à côté de la Lune et de l'autre, la région qui est opposée, on voit les bourreliers, ça veut dire les marées hautes. Bien sûr, les autres côtés qui sont perpendiculaires, là où nous avons les marées basses. Donc pourquoi des marées ne sont pas tous les jours à la même heure? Donc l'explication est tout simplement parce que nous avons la rotation de la Terre sur elle-même se fait en 24 heures, et en même temps nous avons rotation de la Lune autour de la Terre. Cette rotation-là, bien sûr, demande 28 jours. Si on fait diviser 24 heures sur 28, on va trouver à peu près 50 minutes. Donc, si quelqu'un veut rattraper la Lune, il doit attendre effectivement 50 minutes. C'est la raison pour laquelle nous avons un retard, si vous voulez, des marées. Et les marées, bien sûr, n'arrivent pas tous les jours à la même heure. Et bien sûr, il y a d'autres facteurs qui sont d'ordre astronomique. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle les CJC du Soleil. Autrement dit, ça s'appelle la pleine lune, c'est-à-dire lorsque nous avons le badr kabir. Donc, se manifeste lorsque nous avons effectivement le Soleil et la Lune et la Terre sont en ligne droite. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on va avoir, si vous voulez, ce qu'on appelle les marées de vif. Or, ça veut dire on a de l'importance chez les marées. Alors, il y a un autre cas de figure. C'est lorsque on a le Soleil, la Lune et la Terre vont former
un angle de 90 degrés. Et dans ce cas, on va avoir les marées de mortes haut. D'accord. Donc, je reviens sur la CIGG. C'est un phénomène qui se manifeste dans 14 jours. Donc, la période est 14 jours. D'accord. Et ce sont des phénomènes qui sont, bien sûr, d'ordre astronomique, mais qui ont une influence, si vous voulez, sur les marées. Donc, si on revient sur les notions de marée de morte haut et marée de vif haut, donc on voit sur les figures que vous pouvez voir à l'écran, donc lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont en ligne droite, donc ça veut dire la plus lune, nous avons, si vous voulez, les marées hautes. Alors que lorsqu'ils font entre eux un angle de 90 degrés, donc on assiste à ce qu'on appelle des marées de morte haut. Je rappelle que les marées de vif haut, donc ils ont de l'ampleur et peuvent bien sûr causer des dégâts, chose qu'on verra bien sûr par la suite de cet exposé. Et on verra dans quelques instants, on verra une animation qui va nous montrer, si vous voulez, les marées de morte haut et les marées de vif haut, et qui va nous permettre de bien comprendre le phénomène des marées. Autre facteur astronomique, c'est ce qu'on appelle l'éclipse. D'accord, l'éclipse aussi, donc c'est le phénomène qui se manifeste tous les 173,3 jours. D'accord, donc ils sont plus importants en CIGG, ça veut dire lorsqu'on a les trois astres, Terre, Lune, Soleil en ligne droite. De plus de ça, il y a ce qu'on appelle l'équinoxe. L'équinoxe, c'est lorsqu'on a égalité entre le jour et la nuit. Et ça, bien sûr, est dû au fait que l'axe de rotation de la Terre, il est incliné. On sait que la Terre tourne autour du Soleil, mais l'axe de rotation est incliné, donc ce qui se manifeste par l'existence des saisons, c'est-à-dire l'été, l'hiver, l'automne, etc. Et aussi va se manifester par la différence entre le jour et la nuit durant l'année. La période des marées d'équinoxe, c'est à peu près deux fois par an, donc la période c'est 182,6 jours. Et d'ailleurs, on va bien sûr montrer ça dans quelques instants sur l'animation que nous allons voir ensemble. En plus de tout ça, il faut parler aussi du fait que la rotation de la Terre autour du Soleil, c'est un ellipse. Donc, parfois, il est plus proche du Soleil, parfois, c'est plus loin. De même pour la Lune. La Lune aussi, lors de sa rotation autour du Soleil, c'est une ellipse. Donc, on va avoir, si vous voulez, ce qu'on appelle périgée et on va avoir ce qu'on appelle le périhélie. Périgée, c'est lorsque c'est plus proche, donc ça veut dire que le phénomène va avoir de l'ampleur et va être plus important. Alors que lorsqu'il est au périhélie, donc ça va être un petit peu faible. Donc on rappelle que la période où la Lune passe par le périgée, c'est 27,5 à peu près jours. Alors que le passage de la Terre au périhélie, pendant une année, c'est de l'ordre de 365 jours. Voilà une animation qui montre, si vous voulez, la rotation de la Terre autour du Soleil. Donc, on voit bien sûr que ça se fait sur une ellipse. On va voir, et aussi, vous voyez l'axe de rotation de la Terre sur elle-même. Donc, c'est un axe qui est incliné. Donc, ça se traduit lors de la rotation par des saisons, ça veut dire l'été, l'automne, l'hiver, etc.
Comme vous voyez ici, au cours de la rotation de la Terre autour de la Lune, l'axe de projection du Soleil change de position. Ici, nous sommes, si vous voulez, à l'équinoxe. Et ça correspond effectivement au printemps. Donc, c'est une coïncidence. C'est comme Mars, aussi, nous sommes en Mars, oui. Donc, et comme ça, il change de position. Au cours de la rotation de la Terre autour du Soleil. Donc, lorsqu'il est à l'équinoxe, ça va se traduire par une grande force d'attraction. Et comme ça, on va avoir, si vous voulez, les marées d'équinoxe. Ça c'est la Lune. Donc regardez, nous avons la Lune qui bien sûr qui gravite autour du Soleil, donc il va induire les marées, d'accord, comme vous voyez là. Donc ça c'est l'attraction gravitationnelle, et on a le Soleil de l'autre côté. Donc nous avons, si vous voulez, deux effets qui sont antagonistes. يعني جوج ديال القوى متعارضه ملي كيكونوا في منحى واحد كيكون عندنا القوى كبيره وبالتالي تيكون عندنا لي ماري هوت كوم فو فويي سور لو شيما دونك لو سولاي الي دو لوت كوت دونك ils sont alignés دونك هادشي اللي قلنا قبيله لا بلون لون لا بلين لون دونك سيتادير اون فو افوار اون ماري هوت دون سو كالا. Donc, les marées vont avoir de l'emprunt. Et comme on a déjà dit, l'orbite est tout à fait elliptique. Donc, parfois, la Lune est proche de la Terre, ce qu'on appelle périgée, lorsque parfois elle est loin. Tous ces facteurs-là influent effectivement sur notre phénomène qui est les marées. Malgré tout ce qu'on a dit auparavant, mais lorsqu'on va faire des calculs, on va constater que l'ordre de grandeur, si vous voulez, si on fait des calculs précis, on va avoir quelques dizaines de centimètres. Donc c'est quelque chose qui n'est pas comparable, si vous voulez, aux 15 mètres qui est dû aux marées des équinoxes. Donc il faut retenir que les marées des équinoxes sont plus importantes. Ils peuvent bien sûr poser des dégâts, comme on voit sur les images, sur des côtes qui se trouvent au Canada. D'ailleurs, il faut se rappeler aussi qu'il y a des effets géographiques. Ça dépend de littoral qui se trouve à côté de l'océan. Et les gens qui étudient, si vous voulez, les ondes savent que la vitesse des ondes dépend de profondeur H. D'accord ? Chaque fois que la profondeur est plus grande, chaque fois que la vitesse est plus grande, donc il va. C'est quelque chose aussi qu'il faut en tenir compte. Voilà, donc vous voyez sur les images quelques effets météorologiques des marées, donc qui peuvent bien sûr causer des dégâts et des dommages considérables, d'accord, aux infrastructures publiques et privées. Cependant, on peut tirer profit des marées grâce à l'énergie. Donc l'énergie, on peut, si vous voulez, en profiter, bien sûr, en construisant des usines, ce qu'on appelle des usines mariomotrices, d'accord, comme ce que vous voyez à l'image. Donc, c'est quelque chose qui est bénéfique. Donc, dans cette énergie, il y a deux choses. On peut en profiter de l'énergie potentielle et on peut aussi en profiter de l'énergie cinétique des marées.
Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nos ancêtres ont utilisé. Donc, on voit sur les images qu'une fabrication qui revient au Moyen Âge. D'accord? Donc, grâce au marais, on fait actionner des moulins. Et bien sûr, en profiter de cette énergie qui est naturelle. Actuellement, on peut par exemple fabriquer des barrages, d'accord? Des barrages pour en profiter de l'énergie des marées, donc, que je rappelle qu'ils se manifestent sous deux formes, une énergie potentielle et une énergie cinétique. Donc, on peut, si vous voulez, retenir l'eau qui est due aux marées, comme ça on profite de l'énergie potentielle. Mais on peut aussi faire bouger et faire tourner des vannes. Et comme ça, on peut en profiter de l'énergie cinétique. Et les deux formes servent bien sûr à fabriquer de l'électricité. C'est une énergie qui est renouvelable et propre. D'accord? Si on la compare à d'autres types d'énergie qu'on utilise actuellement, d'accord? Comme l'énergie fossile, bien sûr. Autre façon aussi d'en profiter, c'est ce qu'on appelle les hydroliennes, d'accord? Donc les hydroliennes, c'est comme les éoliennes. Ici, on va en profiter de l'eau, alors que les éoliennes en profitent de l'air. Donc, c'est en fait le même principe, mais ici, on utilise le courant d'eau qui est dû effectivement au mât. Voilà, ici, on voit quand même, il y a d'autres avantages et bien sûr, il y a d'autres inconvénients que je vous laisse bien sûr lire et. Donc, c'est une façon aussi pour produire de l'énergie propre et chasser que l'énergie est un problème actuel et mondial, d'accord? Parce que l'énergie fossile, il arrive un jour où il va être épuisé. Et donc, à l'échelle mondiale, les gens cherchent de nouvelles sources d'énergie. Donc, et notamment les sources d'énergie qui sont propres. Merci de votre attention. Likez et abonnez, aidez-nous. Donc, la prochaine fois, on va faire un exposé sur les calculs des marées. Oh, light me up with a bright smile on now. Don't